Bonjour à tous et bienvenue dans Cinéfuzz. Salut. Enfin, Cinéfuzz nouveau, La triade. Oui, c'est ça, la triade est revenue. Et enfin, un nouveau Cinéfuzz sur un réalisateur asiatique. Ouais. Ça fait longtemps. On sait que c'est déjà un Cinéfuzz pour le réalisateur. Ouais. Et hongkongais, on va dans le HK les amis. Et ça va être très cool puisque on avait fait une émission entière sur le Toy Arc. Que vous avez regardé en masse quand même, aussi. Une micro sur Jackie Chan. Qui est. D'ailleurs, vous nous avez demandé de faire une émission Jackie Chan. Oui, on fera peut-être. Ouais, parce que. Ouais, peut-être. Et donc là, on a décidé. Non, on s'est dit, là, on va parler. Alors, on se regarde, on s'est dit qu'on pourra peut-être un jour faire Jeune Wu, etc. Mais là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a comme grand réalisateur HK qu'on n'a pas parlé et dont on parle plus beaucoup en ce moment. Bah, ouais, c'était Wong un peu vieux. Alors, lui, on n'en a jamais vraiment parlé. Wong Jing. Là, on arrive. Donc, Junito. Junito. Le dieu du polar qui a explosé dans les années 2000 en France, qui était ultra célèbre. Junito, mais on l'a fait un peu tard parce que c'est vrai que si on l'aurait fait il y a 15 ans, purée, alors l'émission là, il y a 40 millions de vues. Hein. Attends, mais j'ai cru que t'avais fait une vanne. Oui, c'est fait. Ah, d'accord. En fait, t'as recyclé une blague d'un article du HK Magazine qui s'appelait Le plus tôt sera le mieux. Ah, excellent. C'est fort, hein. Non, mais c'est vrai qu'il a eu une hype, ce réalisateur, incroyable dans les années 2000, surtout en France. Et là, du coup. C'est l'héritier de Jean-Pierre Melville. Et alors, il faut dire que c'est un réalisateur qui continue toujours, qui est extrêmement prolifique. Il fait 5 films par an, en fait, quasiment. Mais je sais pas. Mais qui a un peu. Le dernier film qui est sorti quand en DVD. Bon, alors, première question, avant de raconter l'histoire de Tho. Donc, c'est. C'est quoi le premier film que vous avez. Quel est le premier contact? Le dépucelage Tho. Moi, je crois que c'était Full Time Killer que j'ai vu en 2003-2004, parce que j'avais une copine à Nice qui était une fan de cinéma HK, qui est toujours. Et je crois que, un soir, elle me montre ça en DVD avec Running Out of Time. Mais le premier dont je me souviens avoir vu au ciné, c'était donc Breaking News. J'avais vu au cinéma Rialto à Nice, justement. Et ça avait été une tarte dans la tronche cosmique. Et depuis, voilà. Et toi? Moi, c'est The Mission. Ah oui. Ouais. The Mission, quand je l'ai, j'avais acheté sur le marché. Je me rappelle encore à 13€ le DVD. À l'époque, c'était que dalle, 13€. Ouais, c'est vrai. On me l'avait donné. 13€ le DVD. Et du coup, je regarde ça parce qu'on m'en avait parlé en fait de ce film. Je me dis comment ça, un polar qui se veut nouveau. Et ça a été une claque. Je me rappelle me l'être regardé deux fois de suite le film dans l'après-midi dans ma chambre parce que j'arrivais pas à comprendre encore qu'il y avait ça qui existait. Concevoir. Ouais, c'est voilà. C'est bon, grosse claque. Grosse claque. Moi, c'est Full Time Killer aussi, qui était le premier film. Vraiment, je faisais beaucoup de films asiatiques. Et juste après, je crois, The Mission, j'ai un peu fait les tours des vidéoclubs et j'ai un peu. Mais c'est mon premier contact avec Junito, c'était fou. Mais la promo de The Mission était quand même aussi bien faite à l'époque, on avait vendu le truc. Ouais, c'était bien mis en avant. Ouais, quoi. Bien sûr, hein. Moi, c'était rare. Junito, pour moi, c'est vraiment un réalisateur de vidéoclub en premier. Quoi. Oui, mais totalement. Nous, on l'a connu comme ça, en vidéo, il est pas arrivé au cinéma. Et on parle d'une époque où il y avait des vidéoclubs, je me disais, c'était avant Netflix. On parle d'une époque de vieux cons où il y avait, donc au début des années 2000, le DVD. Donc en plein essor, et du coup on était comme des fous avec ce support qui proposait des bonus, une image nette, etc. Même, et la VO surtout. Alors, et puis c'était une époque où Tarantino avait, Kill Bill, ce qui fait qu'il avait mis une lumière sur tout ce qui était asiatique. Et du coup tous les éditeurs qui étaient pas cons, ils exploitaient le nom de Tarantino, de la mode. Donc, et encore The Mission c'était un peu avant. Hein. Moi je me souviens The Mission de la bande-annonce. Qui tournait en boucle sur la chaîne Allociné. Ah ouais. À l'époque, tu avais deux trucs que tu pouvais voir, l'abondance d'Avalon de Mamoru Oshii, oui, c'est vrai. Et un peu plus tard, celle de The Mission. Enfin, la même époque. Ouais. 2001. Et donc, du coup, à force de les revoir. En 2099. De voir ces bandes qui tournaient encore et encore, tu as des souvenirs d'images du film qui s'imprègnent en toi avant même de voir les films. En fait. À l'époque, on avait une vraie envie. Oui, oui, on n'avait pas l'accès rapide. Non, il y avait une appétence qui était assez forte. Junio reste un mec qui n'est pas forcément accessible. Il y a encore cette appétence, cette envie de le découvrir. Pourquoi? Parce que le mec. Une grande partie des films qu'il a fait, il a fait plus de 50 films, un peu comme Toy Arc, c'est un truc de dingue. Et puis, en plus, il parle même pas des productions. Voilà, oui, sans parler des productions et des films qu'il a officieusement réalisés. Et en plus, il a effectivement, il a un peu disparu des radars depuis quelques temps en France, ce qui fait que pour continuer à se piquer à Duto, il faut faire des choses pas sympas. Il faut aller chercher des dealers hongkongais. Il faut faire des recherches.
Pour faire des recherches. Donc, on va commencer, on va un petit peu raconter l'histoire. Non, ça va, il y a quand même des éditions françaises qui ressortent. Ça fait 5 films qu'il n'y a rien qui est sorti en France. Au moins. Ouais, l'un des derniers, c'était quoi ? C'est La vie sans prince, c'est Drug Wars. Et t'as Drug Wars, ouais. The Mission, c'est le film typique The Mission qui peut être très bien récupéré par la rabia d'un ou deux et ressortir. En super coffret. Mais en fait, il faut se dire aussi, c'est que nous, on a quand même des éditeurs qui sont habitués à une certaine fréquence. Lui, il en sort plus que les éditeurs ne peuvent, les éditeurs étrangers ne peuvent éditer. Donc ça m'étonne pas quand c'est des films qui ne sont pas des polars de lui, mais ça commence à m'étonner quand des films qui sont des polars, notamment le dernier qui est Truy, qui est sorti, qui a fait un an et demi, et qui n'est toujours pas disponible en France, là c'est un tout petit peu bizarre. Là on se dit qu'il y a clairement la mode, et je ne parle même pas du John Woo qui a sorti un film, une épopée sur deux films, et qui n'est toujours pas sorti. Ah, mais bien sûr. Toujours pas sorti, alors que ça fait 2 ans. Tu vois, c'est clairement une question de mode. Allez à la Fnac il y a 15 ans. Faut savoir que vous aviez un rayon entier de cinéma asiatique. C'était limite un genre à part entière. Maintenant, vous avez 60 cm. Cinéma coréen qui a tout implanté, mais qui a quasiment remplacé le Hongkongais. Ce qui est débile parce que c'est pas du tout forcément. Sensibilité. On peut très bien jouer avec les deux. Donc, on va raconter l'histoire de Johnny Toe. Donc, Johnny Toe, il est né, il a vécu. En 1955. Il a commencé, alors c'est génial, il a commencé à la télévision. Vraiment en bas de l'échelle, parce qu'il n'était pas du tout d'une famille où il savait pas vraiment comment travailler. Il a commencé, il faisait le mail, il faisait les courriers, dans les studios de télé. Et petit à petit, il a commencé, il a fait les courriers, après il a fait autre chose, il est devenu assistant, et il a fini par devenir réalisateur pour la télévision, pour la grande télévision hongkongaise. J'ai oublié le nom, je vais pas m'aventurer, mais ce que je sais, c'est que c'est la même télévision qui a fait bosser jeune Tsui Hark et Ringo Lam. Les trois viennent de cette année. Ils ont tous débuté dans la télévision. Voilà. Alors il va faire, il va tourner, mais donc dans la télévision, il va faire un premier film qui est une sorte de Wu Sapian, un peu dans l'ambiance Butterfly Murder. Ce film va être une assez mauvaise expérience, en fait, il a pas trop aimé, il est reparti à la télé juste après ça. Et ensuite, il va encore retravailler la télé. Il va finalement faire des longs métrages, mais des longs métrages qui lui-même sont pas des longs métrages, personnels. Il va commencer à faire des blockbusters. Il tourne beaucoup pour. C'est vraiment un artisan à la base, quoi. Ouais. Et il va tourner pas mal. Il va avoir des succès. Il va même avoir des prix. Il va rentrer dans le milieu et devenir un pro. Mais ça va pas être. Pour l'instant, il va pas trouver, on va dire, la clé pour faire ce qu'il veut vraiment faire. On parle d'une époque où les réalisateurs ne font pas encore ce qu'ils veulent. Il y a à l'ailleurs Tsui Hark, Han Rui qui incarne la nouvelle vague qui explose. Mais c'est assez sélect encore. Mmh. Et lui, il a commencé, il faut savoir que c'est un mec qui aurait commencé comme Claude Zidi et qui finit comme un mec expérimental, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Tu vois, je sais même pas qui. Comme Kurosawa. Voilà. Et donc, il va quand même être contacté à un moment donné par Tsui Hark lui-même. Qui va lui proposer, en fait, Tsui Hark a commencé à réaliser un film, à produire un film avec un autre réalisateur qui s'appelle The Big Hit, et il n'était pas du tout satisfait. Enfin, le film s'appelle The Big Hit. C'est Andrew Kam. Voilà, il n'était pas du tout satisfait de lui, donc il l'a viré, et il a engagé Johnny Toe, et donc c'est le premier grand, vrai polar, entre guillemets, de Johnny Toe, qui est donc The Big Hit, est une sorte d'histoire de policiers, un groupe de policiers qui vont affronter des espèces de mafieux. Alors c'est en lien avec un autre pays en plus, donc c'est un gros bordel, et puis c'est en lien avec la rétrocession qui arrive. C'est un pur scénario de Tsui Hark, comme tous les films très très violent. On pense beaucoup à l'enfer, très violent, des armes, ou même à Better Tomorrow, scène de mort un peu dure, hein, quand même. Et donc c'est un film Johnny Toe, il va essayer de réaliser. Il y a des micro trucs de Johnny Toe si on regarde bien, c'est à dire que on trouve déjà ce premier truc qui va être très important chez Johnny Toe, c'est-à-dire un héros qui a un handicap. Le film commence, le mec se fait percer la main. Et donc le mec, en fait, perd l'usage de sa main, enfin il a une maladie, il a plus de dextérité, et du coup il peut plus tirer. Et ça, c'est un truc, vous allez voir, le personnage avec le handicap dans ses polars, ça va revenir tout le temps. Et donc ça, c'est très Johnny Toe. Il y a aussi physique ou mental. Puis un commencement avec le travail sur des lumières bleutées durant la nuit. Il y a une scène de fusillade, notamment où un flic ou des flics tirent sur d'autres flics parce qu'ils savent pas que c'est d'autres flics, etc. Donc ils confondent une espèce de quiproquo dans la fusillade. Et ça, c'est très Johnny Toe. Mais en fait, Johnny Toe, il va partir. En fait, il va s'en aller très vite du tournage parce que Tsui Hark, il veut faire sa sauce.
Et, et finalement, c'est Sawyer qui va finir par le terminer, le réaliser. Le producteur tout puissant, quoi. Hein, voilà. Hein, malgré tout, c'est quand même signé par Jonito et on repère des choses de Jonito. Et d'ailleurs, Jonito et Sawyer ne se sont pas frités parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi qu'ils s'étaient vraiment engueulés et tout. Mmh. Non, il est parti, il a dit voilà, c'était trop chaotique pour moi. Parce que c'est un film chaotique, c'est un bordel, ouais, un film très violent. C'est un... comme Sportsman, ouais, je pense qu'il y avait vraiment la main empirique de Swart. Voilà. Super film, hein, vraiment incroyable. Ouais. Mais vous repérez des petits trucs de Jonito. C'est des courses mais c'est surtout des scènes d'action. Les scènes d'action sont assez dingues. Hein, c'est un air de bagnole. C'est, ouais. C'est du film. C'est d'ailleurs ce que je me rappelle, que l'histoire me rappelle plus. C'est une position dans une carrière. C'est un polar, mais les mecs ils utilisent des armes de guerre. Donc c'est super, super bien. Une scène dans un hôpital où tout le monde se fait tirer dessus. C'est hallucinant. C'est incroyable, très, très violent. En fait, c'est plus quand même dans la rythmique, si je me rappelle bien, un film workshop. Hein. Oui, ça se voit parce que t'as Swark derrière qui cut là où Jonito va vraiment faire différent. Putain, il a un caméo à la fin, c'est le flic qui arrive à la fin du d'accord, film. D'accord, ok. C'est clair. Et donc, bon, voilà, et donc ça va être donc une expérience mitigée, mais au premier polar. Pour info, le film, vous pouvez encore le trouver en cassette vidéo, c'est sorti chez HK Vidéo. On attend, que ça sorte en DVD, c'est pas mal. Hein. S'ils l'ont pas sorti dans les années 2000, je pense pas que c'est maintenant qu'ils vont. Donc justement, il va continuer à faire des films et il va finalement faire un film qui va être son film, en fait, son entrée pour exploser au box-office et pour faire un film qui prouve sa valeur, entre guillemets. Et c'est. Oui, donc c'est Heroic Trio qu'il a réalisé en 1993, en fait, qui était une co-réalisation entre lui et Ching Tsun Tung, donc le fameux chorégraphe qui a bossé avec Tsuyar, qui était celui qui avait fait comment il s'appelle l'auberge Duel to the Death, qui avait fait Terracotta Warrior, enfin bon. Ching Tsun Tung, celui qui a fait aussi l'auberge. Ouais, c'est pas lui qui avait fait l'auberge. Ça c'est Raymond. Ah oui, non, c'est vrai. Et en fait, donc en fait, qui a fait le film avec Steven Seagal. Voilà, c'est ça. Qui a fait un film en fait de super. En fait, c'est trois. C'est trois jeunes femmes, donc qui seront interprétées par Michelle Yeoh, Maggie Cheung et ma préférée, donc Anita Moy. Donc trois jeunes femmes qui ont des vies diverses et variées de jour. Anita Moy, c'est la maman de famille et tout ça. Mmh. Et de nuit, ce sont des super-héroïnes qui doivent combattre un mec qui vit sous terre qui est interprété par Anthony Wong. Je te coupe rapido. Mmh. On va faire comme en fait on avait fait pour Tshuaf. Ouais. C'est qu'il y avait tellement d'œuvres, c'est tellement pléthorique, on va choisir dans la timeline, on va dire trois œuvres qui sont très importantes. Mmh. Ou Takashi Miike. Voilà, je vais faire vite fait. Donc en fait, c'est un film un peu dans la lignée du Batman de Tim Burton en termes d'esthétique, c'est-à-dire une espèce de rétro-futuriste avec des immeubles futuristes. Un Gotham apocalyptique avec des bagnoles des années 40, beaucoup de chorégraphies câblées dans des décors de studio de ville, un final un peu à la Terminator avec un personnage en stop-motion comme ça, squelettique, mais avec des c'est quand même la folie que tu as que dans les films. C'est complètement déglingué. C'est comme si en France on faisait un film avec Juliette Binoche, Catherine Deneuve et Isabelle Adjani. C'est ça. Parce que c'est ah bah c'est ça, ces c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Hein. Mais on les fait se battre contre un squelette qui les contrôle et tout. Maggie Cheung, c'était la moins connue, c'était la moins connue des trois à l'époque. Hein, D'ailleurs, elle a participé à la mauvaise expérience de Jonito parce que Maggie Cheung apparemment, selon les dires de Jonito, elle était insupportable, capricieuse, elle réclamait tout le temps son chèque dans la semaine. Oui, c'est ça. Maggie Cheung qui ensuite a été très connue chez Wong Kar-wai. C'était la plus jeune des trois en plus. Michelle Yeoh, c'était la l'actrice d'arts martiaux. Elle était un peu connue. Elle avait fait Astir Gobai avant. Et Polystory, elle les avait fait ou pas déjà? Je crois que Polystory. Oui, mais c'était elle qui avait le moins. Elle avait pas la respectabilité qu'encore des deux autres. Anita Moy, c'était la méga star, la pop star ultime. Et Michelle Yeoh, qui était Madame Action à l'époque, alors qu'elle a même pas 30 ans. Donc, du coup, il y avait pas encore c'était quand même trois actrices. Mais trois actrices de ouf, quoi. C'était juste le truc parfait. Et le film est très sympa. Ça dure 1h20. C'est super rythmé. On n'est pas franchement sur la psychologie. On n'est pas sur tel point que tu dis, mais qu'est-ce qu'elles vont foutre? C'est ça. Avec un réalisateur pas connu là-dedans, ils vont péter leur carrière. Mais c'est ça. Pour dire qu'en fait, c'est un diptyque. Il y a un deuxième film qui s'appelle Executioners, qui lui se passe dans le futur, dans une société apocalyptique où une espèce de culte. On n'a pas rien à foutre des scénarios. Voilà. Non, mais il y a une espèce de culte qui. Mad Max. Ouais, c'est de Mad Max. Non, en fait, il y a un putsch. C'est un putsch voilà, qui a renversé. Vous avez de la fumée partout. Il n'y a pas de thunes, donc il y a plein de fumée. Et donc, ces trois femmes-là ont été séparées par la vie et les événements.
Et le film raconte comment elles vont se réunir une troisième fois, une dernière fois pour combattre ensemble. C'est pas du tout la même atmosphère que le premier. Non, elle est vachement plus sombre. Elles ont pas leur costume. Hein. Non, mais c'est si elle. Vers la fin. Mais c'est des films très cool. Hein. Ah ouais, j'aime bien. On ne sent pas le Johnny To de PTO, si vous voulez. Ça n'a rien à voir. C'est Johnny To qui fait ses armes dans le cinéma hongkongais délirant. Moi, puis c'est de la commande. Moi, j'avais lu, c'est quand même. C'est les films nerveux de l'époque. C'était Johnny To qui se disait il faut que je fasse un film comme ça. C'est ça. Pour avoir un film commercial. Et c'est vrai que les Chinois, ils ont toujours aimé les super-héros. Et c'est vrai que ça. Les films commerciaux comme ça en France, j'aimerais bien en voir. Parce que ça, c'est pas un film commercial en France. On parle. C'est un film qui te fait un procès. On parle. C'est un truc bizarre. On parle d'une époque où le cinéma hongkongais il se lâchait dans tous les sens. Ça partait partout. Donc oui, effectivement, c'est complètement cohérent dans l'époque. Oui, puis même ça revient effectivement sur la tradition de certains héros masqués chinois qui pullulaient dans les années 40-50. Mmh. Donc on en revient un petit peu à ça. Moi, je me souviens pendant des années, j'avais fantasmé sur la bande annonce que tu voyais dans les cassettes HK. Je me disais, c'est ce truc, ça doit être énorme. Anita Moy, où tu vois des gros plans d'elle avec son masque et sa chevelure comme ça qui tombe. Je me dis, ça va être sympa. C'est à la mode de Dr. Way et compagnie, tu sais. Ouais, Dr. Way, Black Mask. Black Mask, oui, c'est super héros. Plein dedans, quoi. Il y avait toute une petite vague de super héros dans d'aventure et d'aventure, ouais, tout à fait. Et moi, j'aime bien. J'aime surtout le premier. Je dois admettre que j'aime le premier parce qu'il est très pop, il y a beaucoup de chansons et tout ça. Le générique chanté par Anita Moy. Le deuxième, il déprime un peu quand même. Bah, ouais, mais c'est assez complémentaire. Quoi. T'as l'excentricité et puis t'as la nuance. Il y a Anthony Wong qui fait n'importe quoi. Alors Anthony Wong, qu'on connaît maintenant pour être une figure un peu de marbre. Mais qui va beaucoup retourner. Il va tourner avec Johnny To. Ce mec, il n'arrête pas, je crois qu'il... Lui, par contre, il a toujours admis qu'il cache tonné. Bien sûr. Mais là, vous le voyez dans une excentricité. Ce qui est intéressant, et on va peut-être conclure là-dessus pour venir après, est-ce qu'il va faire Johnny To après. Johnny To n'est pas fan de ces films-là, même s'ils sont très bien. Surtout parce qu'en fait, Johnny To n'est pas un réalisateur à femmes. Et il a toujours dit, et nous, on avait écouté une masterclass, et il avait dit que, en fait, il n'était pas fan parce qu'il aime bien les films de mecs. Et il aime bien, il dit, je suis un peu macho. Et j'ai toujours du mal avec les films qu'avec des femmes. Alors là, forcément, faire trois films avec des immenses starlettes comme ça, c'était peut-être pas forcément le truc. Donc c'est là où peut-être qu'il a affirmé ce qu'il allait faire après, c'est-à-dire des films de mecs. Des films de mecs sur des histoires d'amitié virile. Ça a été un comme John Woo un peu. Il a été très influencé comme John Woo par Melville, du coup. Ouais. Et Melville était comme ça, et Chang-Chi également. Voilà, ouais, c'est des films virils. On dit des films de mecs. Viril, parfois à la limite de l'homosexualité cachée. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des histoires d'amour. Non, disons que comme effectivement il y a toujours des relations très très fortes entre les hommes, et on va en parler juste après. Oui, on va en parler là. C'est vrai qu'on peut facilement dire ça, mais c'est. Ça peut être vu par des homosexuels comme. En fait, voilà, c'est juste une vision, ça peut être vu, mais bon. Non, c'est même pas faute sans partir là-dedans, c'est juste. C'est des films sur la complémentarité masculine. Exactement. Et c'est des micro-univers comme ça, avec que des mecs et des mecs qui se. Donc, du coup, il va créer une boîte qui s'appelle la 1096. La Milky Way, qui à la base est censée être une boîte qui va faire un peu expérimentale, qui doit produire des nouveaux auteurs. Mmh. Il va notamment produire beaucoup de films d'un auteur qui s'appelle. Patricio, qui va réaliser plusieurs films. À la base, à ce moment-là, il réalise pas. C'est pas lui qui réalise ces films-là. Lui, il se contente de faire des blockbusters sur le côté. Ces films vont pas forcément être des énormes succès. T'as quoi? T'as Beyond the Hypothermia du coup en 96. Il y a The Longest Night. Et The Longest Night. Il faut savoir que Milky Way aussi, ça a été créé dans une optique bien spécifique. C'est qu'à l'époque, tous les grands réals, HK, que ce soit Chu Hark, John Woo, même le Kirk Wong, ils se tiraient tous aux États-Unis. Donc du coup, Johnny To, il est là, la rétrocession arrive, mais il faut quand même produire des films, quoi. Donc du coup, le mec, il a un boulevard pour faire ses films et pour produire effectivement d'autres œuvres et lancer des films. Il a profité de la rétrocession 97. Et c'est le seul mec qui est resté, en fait. Et alors qu'il était peut-être un peu en dessous avant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la renommée de ces gens-là, il a profité du boulevard qu'il avait pour ensuite exploser à l'international et à se faire un nom. Alors que du coup, les John Woo et surtout Soyark, eux ont un peu perdu de leur superbe en allant parce qu'en fait. Pourquoi ils pensaient tous, et on le voit dans tout le cinéma depuis début des années 80, parce que ça fait peur aux Hongkongais, cette rétrocession à la Chine. En fait, quand 97 arrive, il y a la rétrocession, sauf qu'ils disent, en fait, la vraie rétrocession, ça sera qu'en 2047.
Il y a une sorte de battement, d'adaptation. Parce que le gouvernement reste, en fait. C'est un le gouvernement reste. Du coup, ça change rien ou pas grand-chose pour les artistes. Et si Twerk, John Woo et compagnie sont partis, lui, il va profiter d'être encore là parce que lui, il n'a pas pu s'exporter. Il n'était pas assez connu pour justement créer sa boîte. Il y a eu un laps de temps, 97-2000, où tous les autres, ils sont en train de préparer leur film à Hollywood, où ils se plantaient avec leur film à Hollywood. Et lui, c'est... Il se plantait, non, John Woo, lui, c'est non, l'exemple. Mais, je parle de Twerk qui en a fait deux d'affilée. Qualitativement, c'était... Oui, non, bien sûr, mais... au moins, John Woo, il a marché. Il a, après, même en revenant en Chine, il a eu une aura de star internationale que peut-être Johnny To n'a pas, tu vois. Enfin bref, du coup, The Longest Night, 97, Patrick Yeo, qui est en fait... il a un peu éjecté façon de soir que. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après qu'il ait fait plusieurs films avec ce jeune auteur, il a dit à la presse que c'était lui qui avait réalisé tous ses films. Du coup, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai que c'est des films qui ont l'air d'être quand même. Et puis à Hong Kong, ça se fait souvent d'avoir des. On a parlé avec Sawyer, c'est souvent d'avoir des réals qui. Mmh. Des prods réals qui s'impliquent et tout. Donc du coup, ça a tué la carrière de Patrick Yeo qui a eu du mal à. Il a eu apparemment beaucoup de mal à revenir, à savoir si c'était vrai ou pas. C'est pas. Dans la légende. Donc ouais. The Longest Night, en fait, c'était justement peut-être le premier film où il y avait cette dualité entre un flic et un criminel. Et c'est quelque chose de très nerveux, mais en même temps très atmosphérique, avec des ambiances bleutées de nuit. On est à Macao en plus. Et c'est super intéressant. Mais c'est pour ça qu'on va en venir à Full Time Killer de 2001, qui est pour moi un peu sa consécration de ce style, où justement il y a le flic ultra stylisé qui va essayer d'empêcher, enfin de contrecarrer les plans du coup du mafieux, du braqueur. C'est un film de braqueur. Pareil, extrêmement ultra stylisé. Là dans Full Time Killer, c'est quelqu'un qui est carrément un showman, un tueur showman. Et là masques, c'est vraiment. Mais des masques d'homme politique, non de Clinton, je sais plus. Et là c'est intéressant parce que alors qu'il a produit ce schéma dans Running Out of Time en 99. Avec Andy Lau et Lau Ching-hwan qui sont des gros stars, flics et malfrats. Là, il va carrément faire deux malfrats, donc deux tueurs, des tueurs carrément. Donc le thème vous emporte alors directement dans la sphère mafieuse et on n'a pas le côté brillant de la société ou alors il y a les grandes valeurs policières. Là, c'est vraiment un tueur contre un autre tueur et avec deux visions différentes du métier. Ils évoquent Léon dans le film, je me rappelle très bien. Ah peut-être, je me rappelle. Il y a une scène où il apprend à une des filles à tirer, je crois. Et il est oui, effectivement. Oui, c'est un film qui s'inscrivait dans cette époque de films de tueurs que Besson avait bien énoncé, quoi, quasiment. Et du coup, ça marche sur l'ancienne génération qui est très posée, qui est très droite, avec le nouveau qui essaye de faire sa place en faisant tout péter, en étant un showman. Et c'est Andy Lau en plus qui va devenir un de ses acteurs fétiches. Ouais, exactement. Une star, une immense star. À savoir qu'il l'a réalisé aussi avec Wei Kai-fei, avec qui il réalise, co-réalise beaucoup de films. Oui, il co-réalise pratiquement tout ensemble. Et je pense que c'est juste indispensable pour Johnny To d'avoir une personne comme ça. Oui, en fait. Ouais, exactement. C'est vraiment son compère, et heureusement qu'ils sont à deux, parce que je pense qu'il ne pourrait pas... Vu la production pléthorique, voilà. Il vaut mieux être à deux des fois. Hein. Exactement. Donc moi, j'aime beaucoup ce film parce qu'il est dynamique. Il y a une petite romance. En fait, voilà, pour moi, c'est le... Parce qu'en fait... Il y aura une sorte de parallèle dans la filmographie de Johnny To. Les films sombres, souvent des polars ou mafieux. Et puis, il y aura, on ne sait pas d'où ils viennent, plusieurs films romantiques et comiques, qui, même Twerk qu'il en fera dans cette période-là, qui arriveront, qu'ils co-réaliseront en même temps. Et celui-là, c'est un peu le consensus où il y a quand même une thématique assez forte, ultra classe, stylisée, un peu sombre. Et puis, tu as cette histoire d'amour entre les deux, voilà, qui ça crée un triangle amoureux. Et tu te dis, tiens, ça fait bizarre, ça rend un peu bancal le film. Parce que Johnny To, lui, il y va vraiment en mode bourrin entre la relation entre les deux. Et tu vois, c'est là que je te dis que ça crée pas du tout de relation homosexuelle sur le coup, parce que on a un film bizarre, un peu méta, je trouve, pour l'époque. Et moi, j'aime bien, ça crée une sorte de charme. De Running Out of Time que... oui, effectivement. Running Out of Time, c'est quand même... Il y a même une scène où la fille, elle veut l'inviter à dîner, elle lui dit, mais t'es gay ou quoi? Et le mec, il l'écoute pas, il dit, ouais, bien sûr, c'est ça. Et il se barre faire des jeux de chat à la souris avec le braqueur. Il y a une tendance un peu au faire-valoir, des fois, dans les films... Ouais, les filles sont des filles dans les films de Johnny To. Ouais. Et du coup, voilà, vous avez...
ces deux films-là qui sont assez complémentaires aussi avec un film qui n'est pas sorti en France, c'est Hero Never Die. Ouais. Et bien entendu, avec The Longest Night qui lance cette mode du conflit viril, et ben écoutez, c'est ces films-là, moi, qui m'ont fait grave kiffer Johnny To. En fait. Oui, ils sont très accessibles, faciles à voir. Le Fou d'Amiens est surtout un film qui a été très exporté en France, en DVD. Grosse presse aussi à l'époque. Ouais. Grosse presse. Et la scène d'action finale est magnifique. Ouais. Dans un hangar, c'est ça. Bah, c'est là où il commence vraiment à faire ses gros ralentis, ça pète de partout. Alors, c'est du pyrotechnique, parce que s'il y a bien un truc qu'il aime pas, et peut-être qu'il l'a ressenti aussi avec Heroic Trio, c'est les films à effet. Et c'est lui le premier qui dit, je crois que c'est dans les bonus de Breaking News, qui explique qu'en fait, ils se sent pas à l'aise, il a envie que sa matière finale soit directement... Voilà. Et c'est ça que j'adore chez lui, c'est un réalisateur brut. Même s'il stylise à fond, c'est magnifique. Par contre, c'est des films très dans l'époque du temps, c'est-à-dire qu'il va... Il commence à avoir un style très très précis, notamment et tout. Mais effectivement, c'est des films qui s'inscrivent dans cette opposition de deux hommes que va ensuite développer Infernal Affairs aussi. Exactement. Les films un peu romantiques dans la façon d'être traités. Cette époque-là est très précise. On reconnaît bien quand on voit ces films, l'époque de ces films hongkongais. On reconnaît les bâtiments, le visuel. Ça ressemble beaucoup de film en film, en fait. Et en plus, avec les mêmes acteurs. Des lignes épurées. Un Hong Kong complètement réhabilité. On a l'impression de comparer au Hong Kong des années 90, ce qui était un peu foutraque. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, Johnny To va... fur et à mesure affirmer un style qui va devenir son univers, en fait, quasiment onirique, quasiment à part, et ça il l'a pas encore exactement là c'est, il est encore entre les deux, mais ça donne une époque que moi quand je les ai revus, là j'en ai revu un, ça te met un peu de la nostalgie parce que tu te rappelles de ce moment là où t'as vu ces films et c'était pas encore le Johnny To ultra précis, expérimental, le Johnny To, le Johnny To Melville en fait. C'était le Johnny To Barker, enfin le Johnny To un peu à l'époque. C'est un film d'auteur de genre, en fait. C'est ça, bizarre. Et j'aime bien. Et c'est très accessible. C'est-à-dire que c'est pas un film qui fera beaucoup réfléchir, mais il vous donnera des valeurs assez intéressantes. C'est un bon film de genre, en fait. C'est ça. Il assume encore ce côté uniquement film de genre dans ce truc-là. Bon, et donc là, si je vous parlais d'un film de 2001, je vais revenir deux ans avant, avec The Mission. Je vous parlais de Full Time Killer. Mais sorti après. The Mission. Ouais, parce que lui, il est sorti en 2001 en France. Hein. Mais parce que Full Time Killer, il répondait à une période qui avait commencé en 97 avec The Longest Night, en fait. Alors là, on arrive en 2001, et je pense que c'est un film charnière pour Johnny To avec The Mission. Ouais, c'est le manifeste. Le manifeste de l'époque, le du moins. Manifeste, tout à fait. Le manifeste. Ouais, c'est ça, c'est manifeste. J'aime bien dire manifeste. C'est mon manifeste. Je l'ai amené moi, c'est moi qui l'ai amené. C'est quoi, je l'ai écrit récemment dans un article. Manifeste. Ouais. Voilà. Du coup, Velléité. The Mission. Alors voilà, ça c'est le film pour le fan de cinéma par excellence. C'est le film où il te le faut quand il sort en 2001, en DVD. Le must-see, quoi. C'est exactement. En fait, il n'y a rien de plus simple. C'est un mafieux, donc un mafieux, même un chef de gang, d'une triade plutôt, parce qu'il ne faut pas dire mafia là-bas. Un chef de triade qui se fait attaquer et qui prend conscience qu'il faut des gardes du corps. Du coup... Des bodyguards. Du coup, oui, des bodyguards. Du coup, il va engager 5 gardes du corps qui sont tous très différents, qui ont un style très différent, que ce soit physique ou alors dans la façon de faire. De se battre. Ils sont tous, ils aiment pas trop tous parler, quoi. Ils parlent pas de thématiques. Ouais, et voilà. Et donc, on va avoir un film avec plein de mecs qui parlent pas beaucoup et en fait, qui vont juste un film de groupe qui vont juste suivre le chef de gang, en fait, le chef de la triade, en sécurisant les zones, en faisant bien attention. Donc, des fois, il y aura des assauts. Ils vont faire la contre-offensive. Voilà. Et du coup, il y a un scénario sur un ticket de métro qui est englobé par une stylisation de la mise en scène. Là où il commence à styliser ses fusils. Là, il a trouvé la clé, en fait. Disons qui le différencie des autres. Exactement. Il a sa propre spatialisation. On pose le décor, on l'appréhende, et ensuite. Voilà. Comment on définit la fusillade de Johnny To par rapport à la fusillade de Johnny? Vous avez exactement. 2 heures. Non, mais c'est intéressant parce que c'est quasiment l'inverse de John Woo, en fait. Oui. Moi, je sais que j'ai fait un cut sur John Woo, je sais pas pour faire de la pub, mais. Non, mais j'ai fait raison un cut, de faire de la pub. J'ai fait un cut sur John Woo, donc. Où j'analysais le montage et la façon qu'il avait qu'il a d'habitude de styliser, de chorégraphier, parce que c'est de la chorégraphie à chaque fois, comme la comédie musicale, de chorégraphier. Les deux d'ailleurs sont fans de comédie musicale, John Woo et Johnny To. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les deux ont une rythmique différente. Ouais. Et si je devais définir la différence entre les deux, et vous allez voir, c'est très branleur, mais c'est assez marrant. John Woo, c'est un peu du jazz, mais avec une rythmique très très rapide, un tempo du jazz rock, quoi, un truc comme ça. Et alors que avec des moments de suspension
pour faire des pauses dans le tempo. Il a toujours besoin de ces moments de pause. Et d'ailleurs, le monteur parle toujours d'une rythmique. Pour amener la dramaturgie de la scène. D'une rythmique en tempo et que le tempo correspond au coup de feu. Et l'inverse, c'est que ce que va faire Jonito, c'est que lui, il va étirer le temps, comme le fait Melvin. En fait, c'est lui, sa référence, c'est Melvin. Il va étirer de manière très, très artificielle, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Et lui, c'est un peu du modern jazz, un peu. C'est-à-dire, y a un rythme lent, lancinant. Et puis, on fait des digressions. Bam, 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 et ça reste comme ça. Et c'est que des mecs fixes qui se tirent. Et les coups de feu sont très... Sont de plus en plus espacés dans le temps. Oui, c'est vrai. Et c'est que sur la position et sur les digressions, sur en fait. C'est un peu flottant. Voilà, et le décor est très différent. Les mecs ne bougent quasiment plus. Il y a quelque chose de presque géométrique. Bah, la scène phare du film, voilà, c'était le moment branleur. C'est très bien résumé, du coup, j'ai plus besoin de raconter ça. Je me demandais comment. Dans la scène phare du film, c'est la scène dans le supermarché. Dans la galerie. Où justement, tu as. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu as des mecs qui sont statiques, qui attendent le moindre mouvement de l'ennemi pour pouvoir bouger, mais du coup lui il se fait pas chier avec sa caméra, il va carrément vous montrer où est tout le monde en bougeant autour d'eux. La question c'est où sont les gens et c'est incroyable et à l'époque tout de voir ça, du coup vous étiez subjugué en plus de la belle histoire parce qu'il y a une sous-intrigue toujours avec une femme, voilà, et c'est vraiment très très bien. Ça fait penser à Time Crisis un petit peu, cette façon. Aussi, c'est vrai, c'est les mecs tirent, ils se protègent, pour les gens qui ont joué à un jeu vidéo, ils tirent avec un pistolet. C'est un peu ça, quoi. Il y a un côté assez ludique et très jeu vidéo de l'époque, en fait. Les comédiens qu'il a choisi sont tous super. Puis là, il va tout réutiliser. Ça va être le début de ses films de groupe, en fait. Anthony Wong, Lam Suet, déjà, ils vont avoir leur. Les groupes de gangsters, quoi. Leur style aussi, bien sûr. Il va les retrouver à chaque fois, il va les réutiliser. Ça me fait bizarre de voir Lam Suet tout jeune comme ça. Et sans moustache. Sans moustache. Non purulent, et transpirant. Le visuel, la musique, il y a un espèce c'est le moment où il commence à épurer. C'est-à-dire qu'il il enlève tout le gras du drama qu'il pouvait avoir avant, des côtés très hongkongais ses délires. Parce que Jonito n'est pas un mec qui fait des délires. Jonito n'est pas un mec qui fait des délires. En fait. De plus en plus, il va épurer et essayer de trouver un univers. Il aime pas le chaos, Jonito. Il aime bien les règles, en fait. Hein. C'est quand même assez spécifique à Hong Kong. En fait, t'as pas un plan qui sert à rien. Il veut que chaque plan ait une signification. Et c'est pour ça qu'il est pas non plus trop généreux en plan. Il va par contre bien les réfléchir. Ça va être de plus en plus lent. Hein. Il va utiliser de moins en moins de. Ça va être de moins ça, en moins. Ça dépend parce que tu vois. Après, vas-y, on va repartir sur 2004 là, je crois, non? Pas Pitiou d'abord. C'était quelle année, Pitiou? 2003. 2003. Du coup, on est obligé de partir de Pitiou. À fond dans la... Après Breaking News, c'est ça qui... Pitiou, il a été fait avant Breaking News. Ouais. Bon, alors, j'ai parlé de Pitiou. Alors là, quand on parle de surstylisation et d'expérimentation, au fur et à mesure, Jonito, qui a quand même bossé à la télé, qui a fait des scénarios, qui a travaillé, qui était assez exigeant, quand on parle de géométrie et de mecs qui aiment bien les règles, en fait, au fur et à mesure, il va s'évader du scénario. Et ce qui est génial avec la Milky Way, qui en fait... commence à produire beaucoup de blockbusters et donc en fait gagne de l'argent grâce aux blockbusters, c'est du coup ces polars deviennent de plus en plus expérimentales parce que c'est pas avec ça qu'ils gagnent de l'argent. Expérimental, excuse-moi. Et donc en fait il va faire Pitiou, qui est en fait un film qui va mettre 3 ans à tourner. En fait il va le commencer, il a une idée, en fait il commence à faire des films sur des idées. Concept. Sur des concepts, et puis après il improvise, il écrit, il faut savoir que, un peu comme Wong Kar-wai d'une certaine manière, en fait il prend ses acteurs, c'est toujours ses acteurs fétiches. Il y avait un documentaire de Yvon Maier qui en parlait notamment, qui filmait. Souvent, ils filment de nuit, ils ont leur décor, ils ont leur endroit, et les acteurs, des fois, ils savent pas si Jonito vont l'appeler. Et parfois, Jonito, il l'appelle et dit tiens, on va tourner ça. Ouais. Et puis après, il leur appelle et dit tiens, demain, on va tourner ça, mais pour un autre film. Ouais. C'est-à-dire que des fois, c'est même pas le même film. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient une sorte de studio d'expérimentation, et c'est comme si Jonito, Hong Kong, c'était son atelier, et puis il testait des trucs. Je crois que c'est Simon Yam qui disait ça, justement. Il disait, je sais pas, là, il m'a appelé, donc je tourne sur cette scène. Imagine la préparation de l'acteur. Pour un acteur, c'est vachement stimulant. Oui. Ça dépend. Il y en a qui diront, j'ai besoin d'une préparation. Du coup, est-ce que je joue tout le temps la même chose, finalement, le même rôle? Il y a moins de dialogue, mais c'est-à-dire qu'il a tout encadré, donc il sait aussi, en termes de scénario, comment gérer. Il a tout encadré, donc il sait, donc tu le vois dans les making-up, il est avec son cigare, il s'assoit la nuit, puis il voit ce qu'il va faire, quoi. Et c'est assez fou, parce que tu te dis, mais comment il en arrive là? Et Pitiou est donc un film. Et donc l'idée de base, c'était sur une unité d'élite la nuit à Hong Kong, et on raconte cette histoire sur cette unité d'élite qui recherche un flingue, en fait. Alors, qui était perdu par un collègue. Sur un des collègues
qui lui a perdu son flingue. C'est un peu le mec débile, le flic un peu bourru. Ouais, voilà. C'est comme dans Le Chien enragé de Kurosawa, c'est un mec qui perd son flingue. Et il perd son flingue et il cherche à le retrouver. Et toutes les unités d'élite vont essayer de l'aider. Et c'est des films très très lents, où personne ne se parle vraiment. Très stylisé, alors là c'est La Nuit à Hong Kong, c'est sûrement un des plus beaux films de Johnny To. Visuellement c'est absolument incroyable. Petite anecdote, pourquoi il tourne nu? Parce que bien sûr il voulait un décor totalement naturel, et en fait il faut savoir que Hong Kong c'est 90, enfin c'est quasiment 24-24 foisonnant en fait, il y a je crois 4 heures 4 heures où la ville est morte, et à chaque fois il devait être prêt pour tourner que dans ces 4 heures là. Alors quand vous avez autant de lumière sophistiquée et tout, bah t'imagines que finalement en 4 heures tu dois faire peut-être 3 plans quoi. Sûrement, ouais. Puis avoir une heure de tournage viable. Tu m'étonnes qu'il fasse 3 ans de tournage. Oui, en fait il a aussi fait 3 ans parce qu'en fait il a abandonné le film. Il est même capable d'arrêter un film et de dire je le reprends. Et en fait, il n'avait pas trouvé la fin, apparemment, et il ne trouvait pas la fin. Et du coup, il cherchait, donc du coup, il a posé le film, puis il a repris quelques années plus tard, et il l'a terminé. Ce qui est quand même une liberté pour un réalisateur, très peu de gens ont cette liberté-là. Parce qu'il était dans une dynamique qu'il contrôlait complètement. Voilà, et par contre, donc, du coup, ça donne un film très stylisé, très proche des westerns de Léon, un petit peu, puisqu'on a ces mecs. En fait, les scènes, si vous vous rappelez, il était une fois dans l'Ouest, où vous avez ces mecs là, qui attendent le train. Là, on a un peu l'impression que c'est un peu ça. Au moins, ils sont dans un repas au début, puis t'as des mafieux, t'as des voyous d'un côté, t'as le flic, et puis t'as un tueur, et puis chacun arrive, s'assoit, il change de table. Ouais. Donc, il y a un côté très burlesque, en fait, très sur les mouvements, tout est un peu axé comme ça. Puis même quand il y a une scène d'axe, une course-poursuite, parce qu'il y en a de temps en temps, elles sont assez rares, mais quand il y en a, c'est d'abord on regarde. Je regarde, lui regarde l'autre, lui regarde l'autre, lui regarde l'autre, lui regarde. Il y a un truc un peu irréel comme ça, et puis on y va tous ensemble en cours. Et ça fait, ça fait même presque penser un peu à After Hours, un petit entre guillemets, parce qu'il y a ce monde de la nuit de Hong Kong qui est totalement fou et qui du coup est très lié onirique, un peu fantastique. En fait, il y a un aspect presque fantastique. Il y a une scène où le personnage principal va chez un mafieux parce qu'il pense que c'est lui qui a gardé son flingue, et il retrouve tous les voyous qu'il avait rencontrés enfermés dans des cages nues, comme ça, espacés avec des lumières en douche qui prennent chaque truc. Ça n'a aucun sens, ça n'a rien de réel, c'est totalement irréel. Sinon, t'es dans un rêve, quoi. Et ça va être le Johnny To de cette époque-là. Et toujours, cette petite unité d'élite comme ça qui marche, la nuit qui recherche 10 minutes pendant 10 minutes. Ça fait beaucoup penser à Melville aussi. Il y a cette idée d'étirer le temps, étirer le temps, jusqu'à où on peut étirer le temps et faire du contemplatif. En fait, on étire tellement le temps que ça devient une sorte de poésie, en fait. Est-ce que ça marche, hein? C'est une sorte de balade dans la nuit, quoi, à Hong Kong. C'est très très agréable. C'est vraiment un film au cinéma, ça m'avait vraiment. Marqué, ouais, à voir à la télévision, c'est un peu plus dur, je trouve. Il faut se mettre en condition, quoi. C'est ça. Parce que sinon, vous allez vite vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Voilà, il se passe pas grand-chose, en fait. Les choses sont vachement étirées. Et si tu, il faut être dans le délire. Il faut regarder le film, il faut le regarder, l'image, regarder tout ce qui se passe dans l'image. Il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est que, comme ce qu'il a fait à partir de The Longest Night, c'est qu'il y a cette barrière que doit franchir le flic, ou qu'il ne doit pas franchir, du moins, pour passer de l'autre côté. Et c'est vrai que là, Simon Yam, il est toujours borderline, à un point que, est-ce qu'il faut que je sois un salaud pour pouvoir faire respecter la loi? Et tu vous le retrouver dans ses derniers films, comme celui de 2016. T'as un humour qui est un peu burlesque, et surtout, le savoir où est le flingue au final, c'est quand même débile, c'est à mourir de rire de savoir où est le flingue au final, quoi. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait pour ce putain de flingue, qui en fait, il y a une finale qui est genre, ok, d'accord, il y a un côté assez comique, quoi. Presque un peu frère Cohen, des fois. Ouais, un peu, ouais. On est dans l'absurde. Ouais, il y a cette du néo-noir, quoi. Enfin, ce qu'on appelle du néo-noir, maintenant. Du coup, on passe à Breaking News. Oui. Un peu plus... Tu parlais de Blockbuster? Ouais, un peu plus Blockbuster. Présenté à Cannes en 2004 et sorti en France printemps suivant, 2005. Donc là, on est dans du polar d'action, entre guillemets, puisque en fait, si je me souviens bien, c'est des braqueurs en fait, qui se réfugient dans un immeuble HLM. C'est ça. Et du coup, en gros, ils bloquent tout l'immeuble. Et donc, on envoie des flics pour essayer de négocier avec eux et les extirper de l'immeuble. Et ça prend des proportions hallucinantes. Il y a les gens qui commencent à se masser autour de l'immeuble, il y a la presse qui arrive et tout ça. Donc c'est un gros, gros foutoir. C'est un film sur aussi le pouvoir de la presse. Le pouvoir de la presse, et surtout sur la communication. La communication, voilà. Parce qu'en fait, la presse va commencer à essayer de faire de la télé-réalité avec ce qui se passe en temps réel. Et du coup, les criminels vont s'inspirer de la presse pour pouvoir exactement créer leur stratégie. Là, pour le coup, il y a une fliquette donc, qui est jouée par
Kelly Chen qui doit entrer en contact. Il n'allait pas trouver le nom. C'est marqué. Comment je dis la honte quoi, je veux dire. Qui va rentrer en contact donc avec le chef des braqueurs à distance. Il y a une relation un peu spéciale qui va s'installer entre eux et c'est à chaque fois un jeu de dupes entre les braqueurs qui sont là-haut, gérer les flics qui sont dans l'immeuble et les journalistes qui sont dehors. Donc c'est super intéressant, les dynamiques de personnages et les rapports de force sont super intéressants. Ça mêle à la fois une action absolument saisissante avec des séquences hallucinantes. Le film débute d'ailleurs par un plan séquence, je crois qu'il fait 10 minutes ou un truc comme ça. Ouais, le film est très célèbre pour ça. Qui a un truc de malade. Par un plan séquence très compliqué Et il y a une gestion encore une fois de l'espace de cet immeuble qui est très étriqué et surtout du quartier en lui-même puisqu'on a cet immeuble et en face on en a un autre et il y a des gens dans la rue, donc vraiment c'est assez bluffant. Ouais, il doit pas dépasser les 10 minutes le plan séquence, que c'était en pellicule qui tournait à l'époque. Et puis c'est un vrai plan séquence. C'est un vrai plan séquence. Hein. Et surtout ce qui était hallucinant aussi, c'était le contrebalancement des situations très sérieuses et des moments d'humour gras. Oui, l'humour blockbuster gras chinois. Voilà, avec ces flics qui ont des crises de foie. Qui pètent. Et à un moment donné, il y a des ruptures de ton où à un moment donné les braqueurs commandent des plateaux repas pour donner aux flics qui sont dans la rue et ça donne lieu à une séquence où on voit des livres qui arrivent, on entend une musique rigolo, c'est sa façon blockbuster d'étirer le temps, c'est ça. Mais moi c'est vraiment que j'ai pas vu le film, mais c'était quand même assez hallucinant de voir ça à l'époque. Faudra un jour faire un bouquin analytique sur les pays dans les asiatiques, parce qu'il y a tout un ça, de pays en pays le pays est différent, il n'a pas le même bruit, il n'a pas la même faculté, mais c'est toujours de l'humour et c'est toujours dans les films populaires la même odeur en 4XD, c'est-à-dire que on sent qu'il l'utilise mais pas exactement pour rien, mais tous de manière très différente. C'est aussi il y a un truc qui est symptomatique chez lui et qu'on voit dans ce film là, c'est la suspension autour de la bouffe aussi. C'est les gens, mon ami s'arrête, ils se mettent à bouffer et ils parlent de trucs divers et variés. Tu te rappelles qu'on a vu Beyond et Potterma? Ouais, on avait super faim, ouais. Et ça part sur un cuistot. C'est ça, on n'en pouvait plus. Ils ont un lard de filmer la belle nouille là, bien ruiselante. Et donc après Breaking News, il va repartir encore sur un délire un peu plus expérimental, parce que là encore on est sur... Ça va être toujours comme ça après. Il va alterner, il va faire blockbuster et film expérimental pour lui. Et là il va faire un de ses films qu'il considère comme un de ses films préférés. J'ai lu ça récemment, et donc qui s'appelle Judo ou Throwdown. Je t'ai porté. Voilà, qui est son hommage à la légende du judo de Kurosawa. Ouais. Alors le film super bizarre que tu te dis, mais effectivement, tu sais bien que ce film ne va pas marcher plus que ça vu le délire quoi. Mm-hmm. Donc c'est un film en hommage donc à la légende du grand judo. Qui est un des grands films d'Akira Kurosawa, un grand film japonais. Et donc ça va être son hommage au maître japonais Kurosawa, qui est évidemment un cinéaste qu'il admire. Et donc l'histoire va être, je sais même pas si je peux dire que c'est l'histoire en fait, ça tourne autour de trois personnages, deux judokas, mais c'est des judokas qui font de la musique, parce que les trois vont travailler dans un club de jazz. Quand je dis que c'est du modern jazz, on est vraiment là-dedans. Là. Dans un club de jazz, il y a un ancien judoka qui ne veut plus se battre. Il y en a un autre qui, lui, en fait, c'est un judoka qui veut affronter tous les judokas de Hong Kong. Et puis, il y a une fille qui, elle veut être actrice, qui n'y arrive pas et qui, du coup, finit chanteuse dans le bar avec eux. Toute l'histoire va être autour de ces trois personnages-là. Alors, c'est vrai, de digression en digression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une histoire ciblée. C'est-à-dire qu'on part sur ce personnage de judoka qui veut affronter l'un des plus grands judokas qui maintenant fait du saxophone dans un club de jazz. Donc voilà, on est dans un délire très bizarre. Hein. Et donc, il y va, et puis le mec veut pas l'affronter. Ouais. Mais il veut pas l'affronter, mais il dit, mais tu veux pas m'affronter, mais viens avec moi quand même. Et puis il emmène aussi la fille qui veut devenir chanteuse, et puis ils finissent dans un truc de machine, enfin de jeu vidéo, et puis ils vont arnaquer, ils vont se retrouver, c'est un film d'arnaqueur aussi un peu, ils vont arnaquer un mafieux local. Et tu sais pas pourquoi. Et donc après l'histoire va vraiment s'avère qu'il y a un lien qui va se il y a un lien qui va se faire entre ces trois personnages qui est assez touchant et qui est une histoire d'amitié, parce que même s'il y a la femme, c'est pas forcément une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour entre ces trois personnages, même s'il y a l'anomalie, la femme. Oui, non, mais, et c'est un truc qu'on va retrouver aussi dans Sparrow, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un aspect déjà ultra fantasy. C'est-à-dire que c'est un peu comme une comédie musicale, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend la réalité, puis on en fait un univers fantaisiste. C'est La La Land, quoi, si vous voulez. Mmh. Mais sauf qu'au lieu de danser et de chanter,
dans celui-là, ils vont faire du judo. Mais tout le monde fait du judo dans Hong Kong, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont tous dans le bar en train d'écouter du jazz, puis bam, ils commencent à faire du judo, à se faire des prises et tout. Au sotogari, comme ça. Voilà. Et du coup, c'est au ralenti. West judo story, voilà. Tu vois. Et donc, c'est très bizarre. Il faut vraiment se mettre dans un univers un peu comédie musicale. C'est surstylisé, c'est un très très beau film visuellement. En plus, comme c'est du judo, on n'est pas sur un aspect violent. C'est-à-dire qu'ils ils se font des combats et tout, mais jamais pour se... C'est pas létal, quoi. Et voilà, c'est pas de l'ennemi, en fait. Même souvent, t'y crois pas, en fait. Mm-hmm. Comme c'est dans un environnement danse, urbain. En fait. Oui, ouais, voilà, exactement. Et le mec, il fait des chorégraphies, ça fait faux, mais du coup, c'est le décalage qu'il faut que tu prennes le train en marche, en fait. Et moi, j'avais pas réussi la première fois que j'ai vu ce film, parce que... Alors, je connaissais bien Pichu ou compagnie, j'aimais bien, mais... ce film, il est extrêmement bancal pour ça. J'aime beaucoup l'aura, l'atmosphère, tu vois, dans ce film, mais il est extrêmement dur d'accès. Il est super, super dur. Et je pense que quand tu as vu le film, à l'époque, j'avais pas vu encore le judo de Kurosawa, quand tu as vu le film et que tu n'as pas vu le judo, enfin, tu comprends pas. Il faut un peu connaître son Jolito d'abord aussi. Hein. Bah, oui, pas forcément, parce que c'est quand même vraiment pour moi, Showdown, c'est. C'est un peu extrême. C'est du Jolito extrême, et c'est bien. C'est l'un de ceux où il a le plus improvisé. Hein. Mais... C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque scène est improvisée. Exactement. Et a été écrite sur le moment. C'était Andilo, hein, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas Andilo. C'est pas Andilo le. Non, c'est Aaron Cook. Oui. Ah, okay. Et en fait, donc, du coup, ça donne un aspect ultra flottant au film, mais en même temps assez poétique. C'est-à-dire que voilà, c'est une sorte de, on dirait une parenthèse. Il dit que lui, c'est un de ses films préférés. Parce que finalement, il s'oriente plus sur ses persos, quoi. Et, et on retrouve cette idée de mec avec un handicap. Alors là, c'est révélé très tard dans le film. Mais un personnage a un handicap. Je fais un micro... je sais pas si je vais me spoiler ça ou pas. C'est assez joli, en tout cas. Il y a un truc par rapport à... Il y a un truc avec l'aspect fianin qui devient aveugle, en fait. Et du coup, il y a toute une scène de judoka qui se fait dans les champs de blé, où il utilise les champs de blé pour s'orienter et se battre. Mmh. Et voilà, on retrouve toutes les figures un peu de Jolito, y compris la figure de la femme. Parce qu'en fait, Jolito, il a beau dire que c'est un macho qui déteste, qui n'aime pas trop les films sur les femmes. Justement, quand il fait ses films un peu à la comédie musicale américaine des années... De l'âge d'or du cinéma hollywoodien, parce que franchement, on pense à ça des fois. On pense un peu au couple et à ces films un peu naïfs, en fait. Mmh. Et cette naïveté-là fait qu'il crée des personnages féminins, et notamment les relations avec des hommes, qui sont très à l'ancienne façon film américain, à l'ancienne, et on va voir après avec Sparrow, un côté ultra... C'est-à-dire que ces femmes sont soit des femmes fatales, soit des femmes naïves, mais il a toujours un regard très touchant sur eux, qui est très masculin, mais qui en même temps... On fait quand même pas des personnages débiles, quoi. C'est pas... Là, tu le vois dans Breaking News. C'est pas comme The Mission, comme c'est des faire valoir, quoi. La fliquette, elle est bien, hein, dans... En fait, il fait des films sur des mecs, t'as quand même l'impression qu'il se force à donner des rôles de femmes. Ouais. En fait, comme elles sont entourées de mecs, d'un coup, il y a quelque chose de... Voilà, même s'il a toujours une idée sur elles. Alors, il y a une scène, notamment, dans ce film qui est très bizarre, où elle va rattraper une chaussure ou un truc à la con sur un arbre. Et du coup, les mecs lui font la courte échelle. Oui, et du coup, ils montent tous à trois, comme ça. Et c'est que des scènes comme ça, c'est des scènes un peu poétiques. Et il y a cet aspect-là. Et moi, je trouve qu'en fait, finalement, il fait des personnages de féminin assez... assez romantique, en fait. Il y a un aspect très romantique chez Jolito que je sais pas s'il en prend conscience ou pas. John Woo aussi qui disait qu'il n'était pas de femme, il n'était pas à l'aise. Alors John Woo, c'est vraiment... Ah non, c'était pas John Woo, c'était Kitano qui disait ça, autant pour moi. Mais en vrai, tu vois, John Woo, à l'inverse, je trouve qu'il il a eu beaucoup de mal à faire des rôles féminins intéressants. J'en cherche. En fait, dans son dernier, il y en a un, par exemple. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est pas... c'est beaucoup plus compliqué, alors que Jolito, lui, il a quand même trouvé une solution là-dessus. Alors ensuite. Ensuite, élection 1 et 2. Ensuite, élection 1 et 2. On a vu le DVD. Bon, c'est pas grave. Du coup, 2005-2006, ouais, il va réaliser son diptyque mafia. Sa saga mafieuse, plutôt. Ouais. Sachant que on a bien entendu, on est en plein dans l'époque de Infernal Affairs, voilà. Donc lui, il rebondit encore dans cette époque. Dans cette mode qu'il a même lui lancé. Sauf qu'il a, il va réaliser une sorte de film très austère où en fait il y a un concept dans ce clan, c'est que le chef de clan est élu est élu par les grands électeurs, on va dire, de la triade est, ouais, élu par tous les chefs de clan. Et du coup, alors, on a quelque chose d'un, pareil, encore un peu surréaliste, mais avec une mise en scène sur le coup là qui se veut très réaliste, vraiment les scénarios dans... sont quand même plus structurés. On sent que quand même là il veut faire sa saga mafieuse, quoi. Il veut faire sa saga mafieuse, mais il se limite pas au scénario, parce que franchement on sent que le scénario,
ça lui casse les couilles. Non, mais clairement, sur le premier, mais il veut pas se limiter. Les deux. Non, parce que à chaque fois, il préfère partir sur des impros des acteurs. Et tu les vois, là, les impros, tu dis, ah, ils sont perchés, ils vont loin dans le dialogue alors qu'il aurait pu couper là et là. T'as cette scène où il bouffe des verres, là, il y a un mec qui lui dit, mange cette assiette. Et le mec, il casse l'assiette et il mange l'assiette. Ça dure genre 2 minutes, c'est une super scène, mais c'est vrai que. Apparemment, ça a été trouvé sur le moment, honnêtement. Bon, alors, en deux films, il fait quelque chose de tellement différent. C'est voulu comme un diptyque dès le début. Hein. Oui, oui, mais ouais. Ça se voit, c'est vraiment. À l'époque, c'était vendu comme ça. Ça s'enchaîne. Mais sortir et, à une semaine d'intervalle, je crois. Et c'est tellement différent de ce qu'on connaît de l'Infernal Affair, du Syndicat du Crime, du Parrain même, que ça se veut une alternative très intéressante. Et cette idée d'élection, déjà, en plus de vous tenir en haleine, ça crée une nouveauté. Et une nouveauté, en fait, pour laquelle il va essayer de faire un parallèle avec la société, parce qu'il y a l'idée que ça se passe avant et après, pour les deux films, la rétrocession. On revient encore là-dessus, c'est super intéressant. Et je ne vais pas vous raconter la fin du deuxième, mais la fin du deuxième, elle est extrêmement symbolique. Sur comment ça se passe dans la vie, au gouvernement, parce que c'est vraiment une sorte pas de métaphore, mais d'allégorie plutôt. Non, d'allégorie surtout. C'est que à cette époque-là, il revenait sur la période de la rétrocession. On avait une fin de la Affaires 2 aussi. Exactement. Où on se dit, mais qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va basculer? Les mecs se trouvent dans une espèce de grande inconnue en 97. Bah, dans Infernal Affairs 2, quand il passe son entretien d'embauche pour être flic, il lui pose la question, qu'est-ce que va impliquer pour vous la rétrocession? C'est super intéressant. Ouais, de toute façon, le film, ce qui est assez marrant et ce qui est très politique et assez drôle et qui joue beaucoup sur l'aspect mafieux, mais en fait, tu vois bien que c'est une sorte de métaphore. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'un mec est élu, que ce soit dans le premier film et ensuite le personnage dans le second, à chaque fois, les mecs veulent pas lâcher le trône, en fait. Oui, donc c'est Game of Thrones, quoi. C'est chacun essaye d'avoir la place du chef. Et en fait, c'est très bien que tout le monde dit que c'est démocratique et ils doivent voter. Mais en fait, déjà dans le premier film, La manipulation, en fait. Dans le premier film, ils ont choisi un mec, mais pour que ce mec il soit élu, il faut qu'il aille choper un sceptre en Chine. Alors voilà. Et ce côté tribal est super intéressant justement dans le film. Et dans le deuxième film, celui qui a gagné, qui était un peu le héros de l'histoire, d'un coup, il devient le méchant un peu. Mmh. Ça devient le mec qui finalement veut pas lâcher sa place. Et tu vois que c'est que des histoires de magouilles entre mafieux et tout, pour en fait un truc qui devient de la politique. Et là, d'un coup, effectivement, tu vois le poids de la Chine qui d'un coup prend et qui va changer totalement cette histoire d'élection qui arrive tous les 5 ans, je crois. Et c'est tout l'intérêt de ces films asiatiques. Des fois, on a des personnages secondaires d'un premier film qui deviennent les personnages principaux du deuxième, qui switch. Le passage de Simon Yam qui change totalement entre le premier et le deuxième, quoi. Enfin, position au sein du récit, elle évolue. Oui, il a l'air sympathique. Le jeu d'acteur est sensiblement le même, c'est vraiment la position. Enfin, il a l'air sympathique, mais à la fin du premier, justement. Voilà, c'est la position. Non, mais c'est parce que t'as toujours une sorte d'échelle différente, parce que Simon Yam, il est contre quelqu'un d'autre qui a l'air plus tenace, hargneux. Du coup, tu prends Simon Yam en sympathie. Dans le premier. Oui, dans le premier. Et dans le deuxième, c'est l'inverse, parce que t'as un petit jeune qui arrive, et donc. Presque pas, parce que quand même, à la fin du 1, il y a quand même une scène où il démonte c'est-à-dire au moment où il devient élu. Et quand il devient élu, tu vois que c'est un salopard, en fait, comme les autres. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que du coup, en fait, non, c'est que de la manipulation. Toi, tu voulais que ce soit lui, mais en fait, t'as les goûts maintenant. Hein. Alors, on est en plein dedans, donc faites-vous élection. Vous verrez que c'est génial. Ouais, ça, c'est clairement à voir. Ça, c'est et surtout, le concept à l'époque, c'était de dire de faire un film sans coup de feu. Et une fresque mafieuse, parce que c'est une fresque sur deux films. Ils se battent à coups de batte de baseball et de l'épée. Je crois qu'il y a un flingue. Dans le 2, un truc qui part. C'est même pas un vrai coup de feu. Mais sinon, c'est vraiment un coup de batte et à coup de. En fait, on a déjà capturé les mecs et ça va être les sévices. Mais c'était ça le concept de l'époque, c'était de dire le mec a atteint les limites de ce qu'on peut faire avec des armes à feu. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait un film de mafieux sans armes à feu? C'est une démocratie mafieuse, quoi. Oui. C'est-à-dire que tout se fait par des négociations et tout. Alors qu'en fait, donc, du coup, il cache le côté un peu. Alors qu'on connaît tout l'aspect romantique de son cinéma et puis même du cinéma de mafia de John Woo, ça casse tout. En fait, pour moi, c'est son outrage pour Kitano. Parce que Kitano, quand il fait outrage, et d'ailleurs, c'est aussi une fresque, une saga qu'il va faire. Il va faire un troisième. Et Tô va en faire un troisième. Ah ouais, tu vois. Mais c'est exactement pour créer une sorte d'hyper-réalisme, limite trop proche de nous pour qu'on s'identifie. Et c'est vraiment assez étonnant. En tout cas. Pour moi, ça fait partie des grands chefs-d'œuvre de Johnny Toe. Oui, et du coup, on repasse à Sparrow.
Oui. Ah, oui. Il y a eu Exiled aussi. Oui, Exiled. Ouais, mais j'en parlerai peut-être avec Vengeance. Donc, d'accord. Sur Sparrow et puis après. Ouais, alors, encore une fois, pour continuer sur l'idée du concept, quoi. Le film concept, après ces films voilà, très âpres, très violents. Ça, ça reste son gros. Voilà. Ça, c'est un blockbuster. Quand voilà, même. Mais c'est quand même des films avec une ambiance lourde et très chargée, quand ouais. même, avec des implications politiques et psychologiques assez fortes. Il fait Sparrow en 2008, qu'on avait vu ensemble à Cannes en plus à l'époque, un matin je crois, c'est très tôt. Et, un bon réveil. C'est un film là, différent, c'est un film de pickpocket, donc on reste dans la dimension du polar, mais à un niveau on va dire beaucoup plus poétique et beaucoup plus presque magique par moment, puisqu'on est dans un, encore une fois, dans un Hong Kong un peu comme ça. C'est la langue, c'est la comédie musicale. Voilà, le micro. Mais c'est vrai. C'est un peu c'est le. Un micro, tout le monde est pickpocket. Tout le monde est pickpocket, mais on a fait du pickpocket à la classe. Une ouais. science, quoi. C'est-à-dire, c'est ouais. quelle est ta méthode ouais. Alors, les mecs, ils dissèquent les poches avec des lames de rasoir pour choper le truc. Donc, chacun a sa méthode et sa chorégraphie de vol, on va dire. Et donc, on retrouve encore une fois Simon Yam. Donc dans le rôle d'un pickpocket, je crois qu'il est même chef d'une équipe. Ouais, c'est un groupe, c'est encore un, voilà, un petit groupe. Quoi. Il y a même une fille aussi. Bah, c'est le... En fait, la fille va foutre c'est la personnage voilà. principal. Ils vont être, voilà. ils vont être niqués par, donc, voilà, par une femme fatale. Il y a une femme fatale qui arrive dans le groupe et du coup, ça, tout le monde. Ça va perturber on va dire, la dynamique de groupe. Encore l'anomalie féminine. Non, parce que c'est une femme fatale, mais finalement, c'est une femme fatale qui est gentille. À chaque fois, tu vois, chez lui, ils sont femmes fatales, mais finalement, elle se révèle toujours gentille. Et à la fin, ils veulent quand même la protéger. Oui, parce qu'elles ont cohabité avec ses... Et avec les personnages principaux. Et en fait, donc tout ça va amener vers une sorte de conflit entre les différents groupes de pickpockets. Et à la fin, il va devoir affronter en gros le grand patron des pickpockets de Hong Kong. Mais sans jamais se battre. Juste sans jamais se battre. Se volant des on se pique des trucs. Ouais. Et on se coupe les poches. Donc t'as une scène de fin qui est incroyable. Qui est, avec des parapluies. Plutôt hommage, voilà, un hommage à Chanteur sous la pluie quasiment. Où tu les vois les mecs avec, sous la pluie tous, ils ont tous des parapluies. Tout le monde fait des pickpockets. Les mecs passent les uns des autres. C'est, le but, c'est d'atteindre le grand méchant quand même. Ouais. Qui est dans le truc. Et je me souviens, ces anciens-là. Des lames de rasoir dans leur. Où il y a une tache de sang. À un moment donné, il y a une tache de sang. La tache de sang qui est provoquée par juste un truc. Elle aussi, elle est cristallisée. Voilà. Cette boule de sang. De sang et ce film, je me souviens, j'avais trouvé ça fabuleux parce que c'est comment faire de la grande mise en scène. Vraiment de la très très grande mise en scène, encore une fois, filmé en compte de manière très, très originale, et utiliser finalement les objets du quotidien pour faire quelque chose de sublime, quoi. Je veux dire, bon, bah. Parce qu'on a une échelle là complètement humaine. Tout à, ouais, tout à fait. Il n'y a pas les armes, il n'y a pas quelque chose qui te rend supérieur. Tout à fait. Tu dois te faire avec ton propre imaginaire, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la ville. Moi, c'est comment il l'avait filmé, ça m'avait impressionné. Ouais, des fois, il fait des plans, il y a un gros mur d'immeuble, la ville, elle est imposante, et les personnages, ils sont tout petits. Tout petits, ouais. Et ils avancent comme ça, et c'est bizarre qu'on fasse ça. Et c'est ça qu'il vous dit, c'est qu'on n'est rien dans cette grosse agglomération. Ouais, c'est on va essayer de faire notre petit aussi, chemin, en fait. C'est aussi fort. L'idée de faire d'amener de la poésie dans sa ville. Oui, totalement. C'est un peu ça aussi, de faire un... De faire poésie criminelle. Ouais, de faire un univers enchanté dans sa ville, quoi. C'est d'en réenchanter un peu un quotidien. C'est vrai que quand tu les vois, il y a un plan où on les suit en train de tous pickpocketer les mecs, quoi. Ouais. Et tu les vois, ils chopent les trucs, ils s'envolent et tout. Enfin, c'est de la chorégraphie asiatique façon Wuxiapian, mais pour des pickpockets. Et encore une fois, c'est faire du bon film et du film intelligent sans pour autant partir dans le sang, les armes à feu et tout ça, tout en mettant quand même des joyeux, quoi. Oui, mais tout en mettant des enjeux super intéressants. L'intrigue est purement mafieuse. Enfin, c'est l'intrigue d'une femme fatale fout la merde dans un groupe qui vont devoir, et donc, du coup, ils vont devoir affronter dans un autre groupe. Est-ce qu'on n'a pas aussi nous des paillettes? On connaît très bien le bonhomme à cette époque-là. Et on est très content de revoir les automatismes du bonhomme. Est-ce qu'un plus large public, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le cinéma de Johnny To, ne trouvera pas le film du coup bancal? Moi, je trouve que justement, Sparrow, c'est peut-être le film que tu dois montrer à quelqu'un qui ouais, ne connaît pas Johnny To. Je pose la question, mais je suis assez. Parce que je pense que quelqu'un qui ne connaît pas Johnny To, il va voir ça comme il va voir une comédie musicale. Exactement. Il va se dire. Donc, c'est génial. Tu lui montres, tu dis, il n'y a pas du tout le côté genre polar et tout, etc. Là, tu regardes le truc, c'est juste très heureux, très joyeux, et du coup, c'est ultra beau, quoi. Le rythme est un petit peu plus dense, c'est-à-dire qu'il étire quand même le temps. Hein. Il y a toujours le petit quotidien, notamment de Simon Yam. C'est expérimental et tout, ouais. Ouais, mais voilà, c'est pas aussi expérimental, et du coup, c'est assez facile d'accès. Comment il écoute les oiseaux, ou il a des oiseaux. Ouais, il a un moineau dans sa cage. Ouais. Oui, c'est tout le film. Là, c'est ça, on est dans la ville, dans une cage. Les filles qui vont libérer à travers l'histoire. C'est ça.
Et donc ensuite, et là, bon, là, on peut peut-être terminer, enfin, ça va être une dernière grande partie de Jonito, c'est, donc je les ai mis un peu en même temps, c'est Exilé et Vengeance, qui sont considérés comme des suites, fausses suites de The Mission, en fait. C'est des films qui sont arrivés un peu en alterné avec Sparrow. Et donc le premier, c'est Exilé, qui est considéré comme une sorte de suite de The Mission, puis on va retrouver le même groupe, enfin, les mêmes types de groupes que dans The Mission. Mais là, cette fois-ci, ils sont à Macao et ça va être et ils vont devoir en fait, je crois que l'un des leurs va mourir et ils vont devoir protéger la femme de d'un des leurs qui est mort et pour la protéger, ils vont se sacrifier en fait. Ça va être un film sur le sacrifice de tous ces mecs pour l'amitié, pour l'amour qu'ils ont pour leur pote et donc du coup pour la femme de ce pote là. Et du coup, ils vont affronter un mafieux qui a un peu rien à foutre et tout. Et là, le film est surstylisé parce que c'est peut-être un des films avec les meilleurs combats, les meilleurs gunfights qu'il ait pu faire, c'est-à-dire qu'en plus, c'est du coup, là, pour une fois, c'est pas Hong Kong, c'est Macao, donc c'est un univers vachement plus solaire, chaud, plus de couleurs. Donc il y a un truc très western, encore une fois, là, on a l'impression de voir du Léon par moment. Et enfin, moi, c'est du Léon d'ailleurs, enfin, c'est vraiment le lien que je fais. Dès les premières séquences, vous avez le ton donné, il y a une voiture qui passe, et il y a déjà tout le monde qui est déjà installé à un coin spécifique de la cuisine cour au début, je crois. Ouais. Et tu te dis, bon, bah, effectivement, on est retourné en Julien. Et là, on est sur la surstylisation, notamment parmi la grande scène de Gunfight de fin se fait avec, je crois, une canette envoyée en l'air. Non, ça, c'est pas la grande scène de fin. Si, c'est la grande scène de fin. Hein. C'est une des grandes scènes de fin. T'es sûr? Oui. C'est pas là où il rencontre Simon Yam, justement, en bas des escaliers? C'est justement là qu'il y a la canette. Ah oui, c'est le début de la. Oui, effectivement. Il se tire dessus, puis t'as la canette qui tourne, etc. C'est un film totalement délirant où là, je me rappelle comment il se tire dessus, puis il y a des portes qui volent et tout, puis il tire sur les portes pour refaire voler les portes. Enfin, c'est tout fou. Non, mais c'est un de ces films bizarres. Là, l'idée, c'est de réutiliser ce groupe à chaque fois, et comme avec Vengeance, qui arrivera après, qui est en fait le troisième film de la trilogie. On va dire des films du film de groupe de Jonito, quoi. Qu'on peut, une sorte de groupe mené à chaque fois par Anthony Wong. On a les mêmes idées, hein, des scènes d'action en plein air, voilà. Où ils se planquent derrière des meutes de foin. Là, exactement, c'est ça, en Vengeance. Où à un moment donné, ils se font une partie, je sais plus quoi, ils tirent sur des trucs. Ils sont la nuit, ils tirent entre eux sur des trucs. Je sais plus, alors, Vengeance, il est un peu à part parce que du coup, il reprend encore ce même type de groupe. Sauf que là, c'est pas vraiment une suite, mais il reprend le même type avec les mêmes acteurs. Sauf que là, ils vont devoir faire affaire avec Johnny Hallyday. Voilà. Donc, c'est ce qui a posé problème pour beaucoup de gens. Le film s'est défoncé à Cannes d'une manière un petit peu injuste parce que clairement, on reprochait au film un truc qui n'avait rien à voir parce qu'il était par rapport à Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'on, d'un coup, on trouvait ridicule de voir Johnny Hallyday faire des gunfights là où ça nous gênait pas quand c'était juste Anthony Wong. Donc, c'est un truc un petit peu bizarre, surtout que ce qui est intéressant avec. Bon, évidemment, ça lui permettait de faire un lien, comme avec Judo, il faisait son hommage à Kurosawa, comme avec Exilé, il fait son hommage à Léon, avec Vengeance, il fait son hommage à Jean-Pierre Melville, et à donc ce cinéma français qu'il a adoré. Ça devait être Delon, en plus. Il s'appelle Costello, le personnage, donc voilà. Ouais, et ça devait être Delon, qui finalement a refusé, on sait jamais trop les raisons. Et tu sais quoi, je suis très content que ça soit pas Delon. Non, Johnny, il est bien, Oui, effectivement, ça fait une figure un peu de marbre, ça fait un peu de l'anti-jeu dans ce film, mais c'est un peu ce qu'il a fait régulièrement dans sa filmo, et on n'a jamais craché sur les films de Jonito. Et là, il y a Johnny Hallyday qui arrive. Je me rappelle être arrivé à Cannes, tout le monde en parlait, en disant « Ah, c'était de la merde, tout ça, tu fais du bel film. » Le film est pas ouf, pour moi, c'est celui qui est vraiment en deçà de tous les deux autres. Il a une cassure parce qu'on parle de ce héros avec un handicap. Il reprend ça parce que, le premier film, au début, c'est un film de vengeance, ça s'appelle Vengeance. C'est un mec qui veut venger sa fille qui s'est fait tirer dessus. Qui va engager les cinq bonhommes. Et donc là, il y a une histoire d'amitié qui se fait entre eux et ce groupe-là. Mmh. Et puis à la fin, à la moitié du film, il dit ouais, en fait, je perds la mémoire. Et là, d'un coup, ça vient un memento. Mmh. Et là, tu comprends pourquoi. Et d'un coup, ce personnage de Johnny Depp perd la mémoire et tu sais pas pourquoi. Il y a cette nouvelle histoire qui s'implique, alors qu'en fait on était très bien avec cette histoire de vengeance et on aurait pu faire tout le film là-dessus. Oui, bien sûr. Donc du coup c'est un peu bizarre. Ouais, il a testé. Oui, il a testé. Effectivement, il y a cette scène de fin qui est ouf où ils utilisent des espèces de mottes de paille pour tirer dessus et tout. C'est assez classe. Et effectivement, je pense que Delon n'aurait pas été bon parce que Delon est trop vieux de toute façon. Oui. Je pense que c'est difficile. Il comprend pas le délire, ce délire-là. Non, Delon était fier en fait parce qu'il voyait qu'il faisait des hommages à lui. Donc Delon avait envie de tourner juste parce qu'il voyait bien que Jonito était. Voilà. Et il faut savoir que Johnny Hallyday, d'ailleurs, Jonito, il en a parlé après, il connaissait pas Johnny Hallyday. La boîte française qui coproduisait le film lui a proposé Johnny Hallyday. Il a vu ses photos.
Et il a fait, putain, ouais, ça marche, parce qu'il était impressionné par sa gueule, par ses yeux. Parce que c'est vrai que nous, le problème, c'est qu'on connaît trop Johnny Hallyday. Ben, c'est ça, c'est trop connoté. Du coup, qu'il fasse n'importe quoi, on a l'impression de déjà-vu un peu gênant. C'est-à-dire qu'on a du mal à l'imaginer mélanger Johnny... Enfin, Johnny Hallyday, tu peux le mettre n'importe où, ça, on n'y croit pas, quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a en fait, on a une figure vraiment nostalgique de Johnny Hallyday, et on le voit là, qui fait vraiment le vieux crouton. C'est vrai que dans le film, t'as du mal à te dire, le mec qui bouge au ralenti, il va aller dans les scènes d'action. Et c'est vrai qu'on a un rapport à Johnny qui est très très différent. Tu crois coup, moins, parce que du coup, tu dis c'est Johnny. Ouais. Vrai, il le filme très bizarrement, effectivement, il le filme comme personne d'autre l'avait filmé ailleurs, c'est-à-dire avec une... en disant, mais parce que lui, il allait dire, il a dit qu'il connaissait pas trop Johnny Hallyday, et qu'il avait vu quand il est arrivé à Cannes, à quel point... En fait, c'était une superstar à ce point-là, quoi. Il n'avait pas forcément... Il dit, j'avais pas saisi... Bah, il avait une neutralité, voilà. Et donc, du coup, sa neutralité fait qu'il le filme comme quelqu'un de comme une gueule, comme une gueule, une grosse gueule, avec des yeux ultra perçants, que t'as jamais vu Johnny Hallyday avec des yeux pareils dans n'importe... Enfin, si, la façon dont il le filme, tu dis, et d'ailleurs, il a dit, moi, ce que j'aimais bien, c'était son regard. Ouais. Et tu vois comment il le filme, tu vois que c'est très différent des autres, quoi. Cinématographiquement parlant, le mec, il est grimé de partout, on sent qu'il a un vécu assez taré, et qu'il a quand même ses petits yeux perçants, ouais, bleu acier, comme et, ça. Et c'est marrant, c'est parce c'est que sympa, tu dis, tiens, ouais, c'est marrant, c'est un acte manqué, on se dit, quand on voit ça, on se dit, peut-être que Johnny Hallyday aurait pu être un super acteur. Mais il a fait d'autres trucs, hein. Oui, il a fait du western italien et tout ça. Oui, il a fait un film de Sergio Corbucci. Spécialiste. Voilà, oui, le spécialiste, ouais. Bah d'ailleurs, avec ses petits yeux bleus, Franco Nero, Terence Hill, mais c'est à l'étranger qu'on a essayé qu'on lui a donné des trucs intéressants, en fait, à jouer. Et voilà. Mais c'est un film très sympathique. Enfin, ça termine la trilogie, c'est pas le meilleur, mais bon, c'est le film le plus. C'est une nouvelle proposition. C'est intéressant. Je n'ai pas trouvé ça désagréable, moi. Vraiment, pas du tout. Alors, moi, j'ai pas trouvé désagréable, mais j'ai trouvé un petit peu manqué. Je me suis dit, ah, il aurait pu aller un petit peu plus loin. C'est pas son meilleur film, c'est sûr. Mais c'est pas Johnny Hallyday qui m'a plus dérangé. Non. Je pense que c'est plutôt là sur le coup la rythmique qui. Ouais, moi, au bout de trois films, ça fait peut-être un peu réchauffer. Ouais, puis moi, c'est la cassure avec cette histoire de mec qui perd la mémoire. Je me suis dit, pourquoi tu me racontes ça? T'aurais pu faire deux films, quoi. Il y avait deux films à faire, en fait. Il voulait rendre mélancolique le personnage. Oui, mais du coup, son histoire avec sa fille, elle s'efface parce qu'il l'oublie. Donc, du coup, là, tu te dis, c'est débile, pourquoi il va se manger? C'est bizarre. Parce qu'il l'oublie. Ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'il a écrit le truc. Après, il s'est dit, bon, il ne parle pas chinois, il faut créer quelque chose de dynamique entre les deux. Il ne se parle pas trop. À la base, il leur promet un restaurant en France. Parce qu'il n'a pas d'argent, il leur dit, je vous file mon resto en France, en fait. Et eux, du coup, ils fantasment. Tout le groupe fantasme sur un teaser de resto. Et t'as une super scène où, en fait, il leur fait des pâtes. Et c'est comme ça qu'ils deviennent potes, en fait. Il leur fait des pâtes. Ouais, la bouffe toujours, hein. Ouais, ça bouffe toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils vont dans en fait, c'est la maison où ils sont fait tirer dessus. Sa famille, la fille s'est fait tirer dessus. Et du coup, les pâtes, ils ont pourri, etc. La table est dégueulasse. Et en fait, il nettoie tout. Et il nettoie tout. Et là, il fait des pâtes super bonnes pour que tout le monde puisse bouffer. Et c'est la classe, quoi. Il y a des jolies idées, comme à chaque fois, en fait. Il y a toujours cette petite aura apocalyptique, quoi. L'idée de mort. Ouais. L'idée de mort du groupe, de la nostalgie du groupe. Oui, ben, tu vois comment le film termine, quoi. Le film termine. Il est dur. Il est super dur. Non, on va pas le dire, on va pas le dire. John Hallyday, il est beau. Voilà. Pour les fans. Du coup, ensuite. Nous, on a arrêté nos grands cycles, enfin, nos grands films qu'on voulait vous présenter. On veut juste dire qu'il a. Continuer à faire des films. Mais par contre, à moindre mesure en termes de rythmique, parce qu'il y a vraiment plus beaucoup de films. Avant, il était dans les 3-4 films par an. Et quand on voyait les films, tu dis, mais non, tu l'as pensé pendant des années ton film pour arriver. Non, et quand tu disais qu'il avait effectivement peut-être atteint un bout avec ses films de groupe et tout, effectivement, après, il a essayé de se renouveler. Et chaque film est un peu une tentative de faire des choses différentes. On a La vie sans principe qui est un film sur la crise, avec différents personnages. Qui sont face à la crise qu'il y avait à l'époque, hein, crise économique. C'est un super, super, super film. Joli film. Il est en sorti vidéo en France. Oui, c'est le dernier à être sorti en salle. Je sais qu'il est sorti en salle, mais je ne sais pas si c'est sorti. Donc, ça, c'était un film très intéressant. Et son regard sur l'économie, c'est un regard assez grinçant. Et il se permet de dire des choses qui sont assez drôles. En fait, il prend plusieurs angles, par exemple, un bureaucrate dans une banque, un mafieux, et une femme, justement, qui est dans la dèche parce qu'elle n'a pas de fond. Il va essayer de mélanger tout ça. Et puis sa morale est très drôle, parce que sa morale, c'est de dire vaut mieux être un brigand face à des brigands. Tout ça. C'est marrant. Ensuite, il va faire Drug Wars, qui est sa première grosse production avec la Chine, parce que tout le monde commence à produire avec les Chinois, et lui, il tente
de produire avec la Chine. Et il fait un film ultra ambitieux donc sur la guerre de la drogue. Une course poursuite. C'est hallucinant. Une traque. Et finalement, c'est un film qui change visuellement parce qu'ils partent en Chine dans ce film-là. Donc, du coup, ouais, c'est un peu plus solaire aussi. Il y a l'univers de la Chine. L'univers de la Chine un peu plus, on va dire, grisâtre, un peu plus dur. Mais là, ton flic, c'est carrément le malfrat de Breaking News. Oui, c'est lui. Mais c'est la même chose. C'est qu'il est très énervé, très furax. Tu vas le retrouver aussi dans Three. C'est quelque chose de beaucoup moins fun et coloré, puis on va dire mélodieux. Et voilà, et après, donc à chaque fois, il t'envoie un nouveau truc. Apparemment, ça, il n'a pas été forcément satisfait du boulot avec les Chinois comme il l'a fait là. D'accord. Est-ce qu'il va le refaire ou pas, on ne sait pas. Du coup, il est reparti plus ou moins à Hong Kong. Il a fait un film encore sur la crise qui s'appelle Office avec Chow Yun-fat, qui est une comédie musicale dans une entreprise, et qui est un film comme Dogville qui a un décor unique, qui est un décor de théâtre. Et ensuite, il a fait Tree, que toi t'as vu aussi, qui est un retour au polar et un huis clos en fait. Ouais, mais un pareil, c'est du théâtre dans un hôpital complètement surréaliste où tout est très clair. Des expérimentations, il cherche des nouvelles choses à faire en fait. Et puis du coup, le dernier, l'un des derniers qu'il a fait. C'était non, on en a fait un autre. Ouais, bon, après, il a fait Blind Detective aussi, voilà, qui était une histoire d'amour sur un détective. Ça, c'était avant. C'était avant avec Andy Lowe. Et là, il prépare une grosse fresque guerrière, un peu fantasy pour l'année prochaine. Ouais, il veut toujours faire cette élection 3. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en France, Johnny Tonneau, du coup. Oui, non, mais il est plus dans la mode. Sa vie, quoi, après le fait qu'il fasse moins de films. Oui, et puis qu'il fasse des films un peu différents. Voilà. Où il tente des nouvelles choses. Ah, il tente des nouvelles choses, parfois c'est pas forcément réussi. Chui, c'est sympa, et il y a des trucs super bien, puis il y a des trucs qui te déçoivent. Enfin, il m'a très déçu ce film, mais par contre je salue énormément la nouveauté qu'il a essayé de concevoir. Ouais, qu'il tente de faire des nouvelles choses. Mais tu vois, c'est comme ce soir quand il a fait The Missing ou She Hunts Me. Des films qui étaient très très différents, plutôt populaires pour l'époque. Il était vraiment pas connu et après il est revenu en force. Donc il y a toujours cette idée de faire revenir. C'est cyclique en fait. Voilà, c'est cyclique. C'est cyclique. Je pense que par exemple, voilà, s'il fait l'élection 3, il y a la hype, de Ito qui pourrait revenir. Espérons. Peut-être pas en France, mais au moins en Chine. Parce qu'en Chine, John Ito et Tsuark, c'est bon. Stephen Chow et compagnie, ils sont tous revenus, il n'y a pas de problème, c'est les grandes stars. Bon, alors terminons par dire c'est quoi vos trois Johnny Depp préférés. Allez, trois. On conclut. Vas-y, très bien. Random. donc Breaking News, The Mission, et je vais mettre Élection 2. Tu peux mettre, on va dire, Élection, c'est la saga. Enfin, le diptyque, quoi. Je vais préférer le deuxième, mais Élection 2. Ouais, c'est compliqué. Non, moi je vais m'en tenir au film que j'ai présenté. Ouais, le premier, donc c'est The Mission. J'aime beaucoup Full Time Killer, elle est super fun. Et bien sûr, Élection, pour moi, c'est vraiment un super diptyque. Alors. Ah, mais il y a quand même Détective, on n'a pas parlé, il était ouf. Élection, Sparrow, et The Mission, est quand même un truc de fou, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais bon. Bah, comme je dis, The Mission, c'est le film qui a tellement fait date. Son manifeste. Que c'est typiquement ça. Le film qui pourrait ressortir en salle dans deux ans. Oui, il est culte. C'est un polar culte des années 2000. On n'en a pas parlé, mais aussi une grande parenté avec le cinéma hollywoodien de Michael Mann. Quand il y a The Longest Night qui arrive. Le film de Braqueur. Le Braqueur. La dualité virile, Running Out of Time. Visuellement, la façon dont il filme la nuit, elle est très proche. Je ne sais pas si Pitiou s'est ressorti. D'action, Je sais pas si Pitiou serait sorti ensemble si on avait pas eu Collatéral par exemple. Oui, mais par exemple, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a les mêmes. C'est un cinéma très proche de ce que faisait avant Michael Mann. Même si. Dans l'âge d'or de Michael Mann. Même si Pitiou, Johnny Depp, reste toujours dans des environnements très, très contrôlés. Quoi. C'est jamais quelque chose de grandiose en fait. Après, je pense qu'il n'y a pas les budgets non plus d'Hollywood. Ouais, c'est normal. Bon. Je vous conclue. Dites-nous ce que vous avez pensé. C'est quoi vos films préférés de Johnny Depp? Est-ce que vous en avez vu des récents dont on n'a pas parlé? Est-ce que vous voulez parler de Blind Detective, de Mad Detective? Vous pouvez y aller dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Sur quoi on ne sait pas encore, mais ça sera forcément génial. Salut à tous, les amis. Ciao.